Bonsoir les amis. Je fais ça tous les soirs, je sais que Michel il adore. Il me le demande à chaque fois. Non, non, fais l'autre morceau. Ah, attention. Je viens à la rencontre de la famille Kessickson, que je suis depuis pas mal d'années, depuis leur création. Et ça me fait vraiment plaisir de voir qu'il y ait un festival de jazz. Apparemment, en ouverture avec eux. J'ai entendu parler de ce spectacle grâce à mon professeur de musique, Madame Gillian Coquille, qui nous a dit que du bien du groupe qu'on va écouter, donc Sixoon. Écouter de la bonne musique, voir des gens s'amuser sur scène et peut-être pouvoir partager un bon moment avec ces autres musiciens. Nous avons toujours de très bonnes programmations pendant le Martinique Jazz Festival. Donc, qu'est-ce que nous attendons? Toujours des programmes éclectiques, des programmes très ouverts sur le monde. Et puis, surtout des pointures martiniquaises qui nous montrent que les talents sont là, que nous avons des génies créateurs dans ce domaine-là, la Martinique, et que c'est l'occasion de les mettre en valeur. C'est surtout ça que nous attendons. Et puis, cette ouverture au monde, parce que ce mélange-là fait que nous sommes, le bassin de la création musicale. C'est comme ça que je le vois, moi. Six monstres ensemble, une capacité à construire des arrangements de dingue, des mises en place de dingue, des rythmes de dingue, une énergie pas possible. Il faut vivre Sixoon. Vive Sixoon, je vote pour eux aux prochaines présidentielles, j'espère que vous aussi. Moi je redécouvre Sixoon parce que c'est un groupe que je suivais dans les années 80 déjà, donc ça a été un très grand plaisir. Je les ai vus jouer au CMAC à Bellevue à l'époque et puis je les suivais sur leurs albums, donc là ça a été un vrai plaisir, magnifique, et on a passé un super moment. C'est impeccable, c'est bien ça, j'aime beaucoup. D'accord. C'est bien, Michel Anigo est très bien, ainsi que Paco Seri, c'est impeccable. J'ai rien à dire, je suis satisfait, je suis comblé. Ce sont des retrouvailles, c'est plus qu'un échange, c'est des vraies retrouvailles, un vrai moment d'échange déjà, c'est vrai. Et nous avons fait nos premiers concerts d'ailleurs, à côté de moi il y a Fanny Odia qui nous a fait venir, qui travaillait au CMAC, qui était directrice du CMAC en 83. On a joué au foyer laïque, j'ai fait d'ailleurs l'anecdote au concert. Et il y a, franchement, les musiciens du groupe m'ont dit c'est notre meilleur atrium depuis qu'on a commencé, parce qu'on a fait plusieurs fois l'atrium, et en tout cas on est venu plusieurs fois en Martinique. Et là il s'est passé vraiment de la magie, on va dire, ce soir.